Salut, salut, c'est Jesus. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo calendrier sur le mois d'octobre. Alors, dans la première partie de cette vidéo, je vais parler des vidéos spécifiques, donc de la série, enfin de l'émission des franchises et des licences et de GTA Online. Je parlerai aussi de Ruse un peu après. Et dans la deuxième partie, ben, je vais parler tout simplement de ce qu'il y a sur tout le calendrier ici. Donc, premièrement, la partie bleue que vous voyez ici, c'est la partie qui sera liée à GTA Online. Alors, si vous suivez l'activité de GTA, vous devez savoir qu'il va y avoir une grosse mise à jour qui s'appelle Bobo Boulot Gogo, un truc dans le genre. C'est une mise à jour sur les bikers en fait, sur GTA Online. Donc le 4 octobre. C'est pour ça que j'ai pris à peu près une semaine ici, qui est en bleu, où il y aura des vidéos en fait de présentation de cette nouvelle mise à jour. J'en profite pour vous dire que je mettrai le lien pour rejoindre mon crew dans la description si ça vous intéresse. Quoi dire de plus? Oui, les vidéos commenceront mardi ou mercredi selon mes disponibilités en fait. À propos des cours en fait, sur tout ça. Deuxième partie, c'est la partie que vous voyez en orange ici, qui est liée à la nouvelle émission que j'ai mis en place il y a 4-5 jours. Celle-ci, là, voilà, qui fait référence à l'histoire d'une licence spécifique, plutôt axée dans le jeu de stratégie et de gestion. La première était sur Homeworld, la deuxième, je travaille dessus, je vous dis pas sur quoi. Et je la publierai en fait tout simplement quand j'aurai fini de la travailler, hein, d'accord. Mais j'essaierai de me tenir dans cette zone-là, donc entre le mardi 18 octobre et le mardi 25 octobre. Donc une semaine à peu près de marge, on va dire. Je travaille déjà dessus, hein, pour la suivante. Ensuite sur Ruse. Alors les vidéos de Ruse, pourquoi j'en fais plus en ce moment? Tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que... Enfin si, vous... Peut-être que vous ne le savez pas, hein, mais j'ai repris les cours mi-septembre. Et donc du coup, j'ai pas mal de travail parce que je suis à l'université. Donc du coup, je ne peux pas me permettre de rajouter en plus de ce que j'ai déjà prévu, des vidéos ou des choses comme ça. En fait, j'ai tout simplement pas le temps de faire des parties multijoueurs sur Ruse. Donc je ne peux pas vous faire des vidéos sur Ruse en multijoueur. Pour l'opération en coopération, je ne peux pas parce que personne ne s'est manifesté pour... Enfin, si, il y en a qui se sont manifestés, mais ils n'ont pas les DLC, donc je peux pas faire cette opération avec eux. Voilà, c'est à peu près tout. Si, pour les lives, alors j'avais parlé sur la vidéo du calendrier de septembre que j'allais faire 2-3 lives. Alors, je ne les ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai repris les cours, parce que j'ai pas mal de cours aussi, pas mal de taf sur ce niveau-là. Mais tout simplement parce que j'ai pas le temps et que un live, c'est dans ma conception des choses, c'est quand même 2 heures, 3 heures minimum. Donc, étant donné que je n'ai pas le temps de faire des lives, alors oui, vous avez dû remarquer qu'il n'y a plus aussi de vidéos sur Lego Star Wars. Alors, simplement parce que en fait, les parties qui me restent à faire sur Lego Star Wars, c'est des parties que j'ai dit que j'allais faire en live. Et que j'ai pas envie de les rajouter sur l'emploi du temps parce que ça va faire pas mal de choses quand même. Puis j'ai déjà fait en fait, j'ai déjà fait les missions en mode histoire. J'ai pas envie de pas envie de refaire les missions en mode libre en fait pour une vidéo simple en fait. C'est surtout que c'est des vidéos que je fais en live. Je suis détente, je prends pas la tête, que je travaille pas en fait. Donc voilà. Donc pas de live pour octobre, ou alors à la limite peut-être un, mais c'est pas du tout sûr. Puis à la limite je vais y arriver. Je préviendrai quand il y en aura un, si jamais il y en a un. Mais c'est pas prévu pour l'instant. Donc on va passer sur ce qui est plutôt habituel, on va dire. Donc comme d'habitude, un épisode de Anno 2070 toutes les 2 semaines, le mercredi, qui alterne avec un épisode de LSPDFR toutes les 2 semaines aussi. A savoir que le mercredi 12, donc l'épisode suivant de LSPDFR, donc l'épisode 12, ce sera un épisode sur l'ancienne,
la police américaine des années 60-70. Après, ça dépendra de ce que je trouve au niveau des véhicules. Mais prenez dans le cadre que ce sera pas après les années 80. Normalement, ça devrait être ça. Peut-être même avant les années 60, c'est possible, si je trouve. Ce sera sur la police ancienne, de toute façon, américaine. L'épisode 13, pour l'instant, pas de spécificité. S'il y a des choses à rajouter, je rajouterai dans l'épisode 12, de toute façon. Ensuite, le week-end, comme d'habitude, un épisode sur Napoléon Total War, donc les campagnes napoléoniennes, et un épisode sur Civilization 5, comme j'ai l'habitude de le faire jusque-là, depuis 2 mois à peu près, 3 mois, voilà, à peu près. Ensuite, si vous suivez l'actualité des jeux de stratégie, vous devez savoir que Civilization 6 sort le vendredi 21 octobre. Et que je vais faire une vidéo découverte le jour même, normalement, ou le lendemain. Pour l'instant, je l'ai mis le jour même, mais je verrai, encore une fois, selon la disponibilité que j'ai, normalement, ça devrait sortir le jour même. Une petite vidéo détente découverte du jeu, hein, un truc pas du tout préparé, mais où je découvre en fait le jeu. Parce que je me suis pas encore spoilé sur le jeu, sur son contenu global, donc ça sera une découverte totale, en direct, on va dire. Et puis un début de let's play sur ce même civilisation à partir du mardi 25 et ce sera tous les mardis, une fois par semaine normalement. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à rajouter? Je ne pense pas. Si Homeworld, voilà, Homeworld, toutes les 2 semaines, en même temps que la vidéo, enfin, que LSPDFR, je vais y arriver. Pour l'instant, il n'y aura pas de nouvelle série de nouveaux let's play pour l'instant. J'en ai pas en optique. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette petite vidéo informative, on va dire. De toute façon, si j'ai d'autres informations importantes à faire passer, je ferai une vidéo informative spéciale. Peut-être pour GTA Online, c'est possible que je fasse une petite vidéo rapidement. Informative qui durera pas très longtemps, 4-5 minutes, pour introduire la mise à jour. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit com. Si vous êtes toujours intéressé pour Ruse, n'hésitez pas. Mon crew sera dans la description pour GTA. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé et à la prochaine.